Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur E4 avec MacRentor. Salut tout le monde! Allez, on enlève la Bon, pause. j'essaie de dire les gens, je suis en train de préparer les troupes. On est à la frontière avec le Mamelouk. C'est-à-dire une seule chose. C'est-à-dire que la guerre commence d'ici peu. Putain, j'ai attrapé les Vénitiens là. Je fais un claim, et une fois que le claim est fait, Voyons, on va les envoyer là-bas. Mais non, putain, fais pas ça, tête de bite! Reviens là, à la barre! C'est quoi ça? La flotte de transport, mais reviens là-bas, la flotte de transport. Putain. Ok, j'ai libéré ma province. Ok, ça c'est une bonne chose. Nouvelle doctrine. Réputation diplomatique, plus combien déjà? Plus 2. Oh, c'est beau ça. Plus en réputation diplomatique. C'est, je défonce tout le monde, mais tout le monde m'aime. Prestige de par développement grâce aux missionnaires. Propagation des institutions. Il y a juste Akonu qui va être contre moi, mais bon. C'est une immersion, on s'en fout. T'appelles ou pas dans la guerre? Pas tout de suite. Ok. Parce que là, je suis à l'autre bout du monde. Du Mais coup, après, je t'en rejoins avec plaisir. quand t'auras fini, tu me préviens, moi je te... Ouais, bouge pas. Déjà, je vais sortir. Il est où? Raguse. Toutes tes thunes. Hop, Oh Raguse, mais c'est à moi. il y a le Tunisien, j'ai oublié le Tunisien. Ah, de toute façon, la Dalmatie, on va prendre. Ah putain, faut que j'aille prendre la Crète, moi. Est-ce qu'il reste des flottes des méchants, là? Les méchants. Nous les méchants, on s'habille tout part. C'est des quoi, déjà, ça? Gad Elmaleh. Ah, il l'a piqué à qui, celui-là, de... Je sais pas, je sais plus exactement qui l'a piqué. Ah, mais le pauvre, putain. Bon, en même temps, le pauvre. Ah, il est suffisamment gavé de thunes à faire des trucs qu'il enfin pour des trucs qu'il n'est pas fait. Ouais. Voyons, voilà, on va prendre la moitié de la flotte de guerre qu'on va envoyer s'occuper de Rhodes, des rebelles ragusans franchis la frontière. Attendez, on a 18 000 hommes en train de se branler les couilles ici. Là, bon, on a Constance qui est en train de me siéger l'Istrie, ça va être tranquille, toi. Hop. Ça c'est bon. Les 4 000 ici, bon, ils attendent. Bon, on fait tomber ou pas cette maudite ville? Ah putain, ils m'ont pris Raguse. Bataille de Raguse. Bon, c'est pas grave, c'est le... je vais juste les prendre. Constance, c'est où ça? Je vais peut-être aller m'en occuper parce que tu me casses les Je crois couilles que avec ça. Ah bah non. c'est près de l'Arc de Conscience, je crois que c'est au nord de la Suisse. Ouais, mais t'as le... justement, t'as la Syrie qui est dessus. Très bien. L'autre, on lui a dit à la gonzesse avec des gros boobs. Il fait ah YOLO, j'y vais! Mais c'est la guerre, j'y vais quand même! Bon, d'accord. Ouais, ils font leur taf hein, quand même, les. Mais... Non, j'allais dire, ils font leur taf. Non, t'as le Bosniaque qui est en train de siéger la province, tu sais, où il n'y a pas de fort. Donc ça se fait en Ouais. 2-2. Mais non, je me barre. Je jure, des fois, j'ai des moments de solitude dans le jeu. Je Putain, Vidine. Ah compatis. si! Faut que je mette un fort à Vidine. Parce qu'en mettant Avidine, je couvre. Ouais, je couvre ce qui me manque, je crois. Ouais, il me faut un fort Avidine. Vais taper les autres FDP là-bas. Ça me saoulait. Avidine, allez, go toi, dessiège-moi ça. Fin du siège de Padoue, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais aller m'occuper de la flotte vénitienne. Vidine, hop, construction, porte, château. Voilà. Là, on va finir de raser la flotte vénitienne. Alors, qu'est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Bah tiens, ils sont là. On va les choper. Les Tunisiens. Coucou.
On va s'occuper. Oh, bah, j'ai pris le Caire, je vais m'occuper d'Alexandrie. Putain, j'ai toujours pas fini le siège de Rhodes. Hein. Bah, je crois que c'est une forteresse niveau 2 ou 3, un truc comme ça. C'est 3, hein, ouais, je crois. Rhodes, ouais, forteresse niveau 3. Bon, en fait, c'est une c'est capitale avec un capitale, c'est château. ça. Ouais, mais bon. Le Vénitien. Enfin, non, pas le Vénitien. C'est... Oh putain, elle a pris cher ma flotte là. Ouf. Là, on va intercepter ceux-là. On va y prendre les autres. Ouh là là. Marquis, il fait que courir. Ok, il y a un tour dans la caravane. Cool. Donc, il avait pété les murs. Il était à 7% de siège. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. T'as raison. C'est l'IA. Ouais, c'est vrai que. Je trouve que l'IA, est au niveau. Bon, au niveau intelligence artificielle, elle a encore chuté, quoi. Ouf pas, c'est juste que elle a jamais été très très fufu des fois. Oh, je trouve qu'avant, elle était quand même moins conne, hein. Ouais, j'ai vu faire des trucs tellement cons des fois en solo que j'ai pas vraiment l'impression, mais bon. Peut-être une impression de mec qui joue en solo souvent. Constance, l'autre, il faisait le siège de Constance, il s'est barré. Mais qui est con, Constance. Voilà, gagner la bataille là-bas, ça c'est une putain de bonne nouvelle. Bergame. C'est quoi ça, Milan? On va aller prendre Istrie. Constance, on va plutôt envoyer la Bosnie dessus au lieu de rien foutre. On va me choper ça. Ah oui, c'est peut-être fait défoncer, c'est pour ça qu'il n'y était pas. Après, j'ai deux armées de 18 000 qui sont là. J'ai une armée de 18 000 qui est sur Rhodes. Et j'ai une armée de 18 000 qui se branle les couilles là-bas. Ok. Ça c'est quoi? Ah, c'est ma flotte de guerre, ça. Donc, ma flotte de transport, elle va embarquer les 4 tocards. Coupe, Istrie, ok. La chambre de venir sa flotte. Oh mais putain, t'as tous mes renforts qui arrivent à ce moment-là. Ben, il n'y a plus de flotte vénitienne en fait là. Je sais, et pour information, je viens de massacrer l'arrière même look. Il n'y a plus d'arrière même look. Ah, si, il y en a quand même d'autres là-haut. Mais bon. Il y a l'armée de quoi de Akonlou, c'est la petite merde qui est au nord de chez toi, ça? Ouais. Attends, il y a une armée qui traîne dans le coin. Hop. Ah. Nous, on va l'emmener là-bas. Non, Venise, on fait pas la paix. Je te déclare la guerre pour prendre la crête. J'ai pas encore chopé ni la crête. Enfin, je déclare la guerre pour prendre la crête et Rhodes. Ah, bah ça y est, j'ai pris Rhodes. Voilà. Hop, hop, Rhodes. Je prends des thunes. Relance de légitimité sur Malte. Fin du siège de Milan, ouais, des thunes. Voilà, les hospitaliers, bon, ils hospitalisent plus grand-chose, ils n'existent plus. Oh putain, Naples a explosé. Ah! Pas dire autant du même look, hein. Qu'est-ce que je lui mets? Ouf! C'est violent, ça t'a moins de 18 ans, ça. Ah ouais, t'as des trucs, c'est hardcore. Ah, voyons. Ok, donc. Mon armée, elle est là. Revenez, revenez, que je vous massacre. Oh, il veut tout. Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Pourquoi c'était ça? Juste cru. Ah. Ça va être une vieille pub. J'ai plus le souvenir, moi. Putain, le con. Ah non, c'est bon. Je me suis approché de Belgrade, là, il s'est chié dessus. Ouais, si je pouvais dégager Constance, je lui pille un petit coup, parce que Constance, OPM au milieu du Saint-Empire, qui doit être cité-État, Ça va être je riche. pense que niveau 25 de développement.
On va s'amuser. Bonjour le même look. J'ai l'impression que tu sens pas bien le même look. Donc, toi, vas-y, là-bas. Tiens, score de guerre moins 25% contre les autres religions. C'est bien ça. C'est bien ça, tu m'étonnes. Hop, en Istrie, rasé. Technologie militaire. Tellement de temps que j'ai pas regardé l'eau, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça à faire. Là-bas, on va finir de raser la flotte. La flotte vénitienne. Est-ce que l'Istrie. Non, l'Istrie fait pas si. Non, je peux en prendre. Juste me contenter de la Dalmatie. Ok, la flotte de guerre, on va la ramener à Constantinople. De toute façon, je pense que la guerre navale est terminée. Ouais. Il n'y a que ces deux-là qu'on sort et qu'on met ici. Le faisan, mais pourquoi le faisan il vient de casser les pieds, ce petit machin tout pourri? Voyons, donc maintenant, faisons la paix, Constance. Non, Constance, je peux toujours pas, donc je vais attendre au moins de prendre Constance. Fin du siège de Constance. Ah, ça c'est une nouvelle qu'elle en est bien. Ah donc bah, Constance... Je pille ta capitale, tu me donnes toutes tes thunes et dégage. Bon, je crois que tu as point juif, ça va me débarrasser de ça déjà. Et maintenant. Voilà, on va finir de s'occuper. Venise, donc Venise, je veux ça, ça. J'ai des clèmes, ça parce que ça fait joli. Je veux, tu me donnes. Un peu de ton développement, réparation de guerre, toutes tes thunes. Et voilà. Donc j'étais à 85 de développement tout à l'heure, je crois. Constantinople, ouais, je suis à 97. Oh, pas, et là maintenant, comme je suis en paix, la Dalmatie, je vais tout raser. Hop. Là-bas, est-ce que j'avais pensé à tout raser? Ouais, donc là, on va. Ici, il faut qu'on le mette en état, la Crimée. On met l'édit de conversion. Et on va convertir. Ah ben, c'est déjà converti. Qu'est fait ? On convertit et à sauf, on convertit. Soulèvement, c'est où que ça a soulevé ? C'est parti de Crimée. Ouais, ça tombe bien, j'ai 18 000 hommes en train de se branler les couilles là-bas. À Asof, donc on va les envoyer à Asof en mode avance rapide. Voilà. Ensuite, Raguse, Split, Zadar. Raguse, on envoie ça, Split. Voilà. Une armée à destination. Oh là là, la Hongrie, c'est sale. Ah bon ? Ouais, regarde, tu vas comprendre. Je vois pas la Hongrie, je t'ai dit. Hein. Ah, merde. En fait, la Hongrie, t'as la moitié de la Hongrie, ça appartient à la Bohème. Ok. Et t'as l'autre moitié qui ressemble à rien. Légitimé, voilà. Ensuite, on a quoi? Non, des états. Non, on s'en fout. Vidine, je suis en train de construire ça. Ok, maintenant. Ah, est-ce qu'ils sont arrivés à Asof? C'est parti de Crimée. Hein. Poussez à la révolte. Allez-y, les gars. Sortez, gueulez. Voilà, on a fait péter les rebelles avec les armées qui les attendaient. Bon, alors, j'ai trouvé la frontière entre deux pays. Hein, je viens de la faire. J'aime pas trop, elle est belle cette frontière, non? Attends, je vais aller voir ça, sachant que je vais... Oh putain, c'est sale. C'est crado dégueulasse. Qu'est fait? Il fait ce qu'il veut, hein. Non, j'ai pas dit qu'est fait, j'ai dit qu'est fait. Ah. Il a fait? L'Herzégovine, la...
Bosnie-Herzégovine, il est allié avec qui? Hongrie et Sicile. Ah ben l'Hongrie, ça tombe bien, j'ai prévu de le défoncer. La Serbie. La Serbie, il est allié avec qui? Avec la Moldavie. Oh putain, la Moldavie. C'est un OPM, la Moldavie. C'est un OPM indépendant? Ah oui, c'est un OPM indépendant et qui est allié à la Serbie uniquement. Voilà, je vais m'occuper de ça. Je vais mettre là-bas, là-bas. Je vais défoncer tout ça. Ok, ça c'est quoi les 27? C'est ma flotte. Ouais, ma flotte de guerre, le navire de commerce, de transport, on le met là-bas. Tout cela, voilà. Là, j'ai 18 navires, théoriquement, d'après mes calculs scientifiques. 18, voilà. Oh putain! Plus 100 de toutes les trucs. Elle est où ma flotte de transport? Elle en. Ouais, bon, elle est en train de transporter. 8. Ah ben voilà pourquoi ma flotte de galère, j'ai trouvé faible. Il y a 8 navires qui étaient en train de se. Enfin, je me comprends, quoi. Ouais. Mais il faisait pas ce qu'il devait faire. Ça, on sait. Ah, c'est bon. Paronaïf, c'est un traître. Non, on s'en fout des espions. La flotte est à distance. C'est vrai que, honnêtement, l'espionnage, je joue pas beaucoup avec. Hein. Ben, c'est vrai que c'est un peu le défaut des jeux Paradox. L'espionnage, c'est un peu pas trop leur. C'est rarement. C'est jamais leur truc en fait. Hein. Ouais. Alors, faut jamais qu'ils fassent un jeu basé sur l'espionnage. Là, c'est game over. Hop, hop, voilà. Oh putain, c'est déjà pris. Ah, il devait être à 80% du siège et moi je les ai attaqués. Je dis hop, donne-moi ton territoire. Offre de paix de la part de Serbie, mais non, pas la paix, moi. Venise, même plus t'existes pour moi, je te connais plus. Oh, comme t'as fait du sale avec le Mamelouk, c'est immonde. Ah, ben oui, alors. Oh là là. Bohème qui a payé toute la dette de Venise qui s'est élevée à 22 ducats. Là, tu dis ça commence à faire. Alia, Cugno, Tunis et Fezzane. Ouais, Tunis, il se tape des rebelles. Donc oui, j'étais à 92, je crois. Je suis à 100 de développement. Parce qu'en fait, j'ai pillé mes provinces de Dalmatie, quoi. D'accord. Ah mais c'est affreux quoi, le développement, je crois qu'on peut, on a quelque part le ledger pour les, pour le développement des villes ou un truc comme ça. Non, économie je crois alors. Pays, bon, régime, score. J'ai toujours ma sale vieille habitude du traité noir hein, par contre. Hein. Développement provincial, voilà, développement provincial. La plus grande prendre province, c'est moi, 100, Constantinople, et ensuite c'est Pékin à 52, Paris à 48. C'est-à-dire que je suis aussi développé à Constantinople que Paris et Pékin réunis. Oui. Qui je peux appeler? Mais je vais appeler Bohème dans ma guerre. Là-bas, c'était déjà de l'orthodoxe? Ah non, c'est du catholique. Ah oui, ouais. C'est bien aussi. On finit ça vite fait. Ah merde, j'ai oublié de faire ça, moi, faut que je fasse mon dernier combat, sinon je vais me faire baiser, j'ai 5 minutes pour le faire. 49, moi, je passerai jamais, je monterai jamais assez vite, mais on va faire un 52. Fin du siège de Bessarabie. Donc, fin du siège de Bessarabie, qui veut dire... Que c'est en face de toi, là... Je crois que j'ai pas... C'est un autre état, ça, je crois, donc je vais pas m'emmerder, c'est la Moldavie, ouais, je m'en bats les... Ah, par contre, c'est du... Ah, c'est de l'orthodoxe. Donc je pense que comme c'est de l'orthodoxe, la Hongrie, c'est un pays quoi, la Hongrie? La Hongrie est un pays catholique, donc je pense que je me dois de libérer la Moldavie. Ouais, mais la Moldavie, c'est quel nœud commercial? Ah, c'est la Crimée. Donc oui, je prends la Bessarabie. Diplomatie. Demander la paix. Hop. La province, toutes les thunes.
Je prends. T'as encore fait la guerre, toi, mec. Mais au Qatar. Merde, il est toujours. Mais quelle violence. Pas rien, moi, non, ça, je vais le refourguer à. Ah ben non, il n'y a personne. Ah ben moi, diplomatie, demander la paix. Ça, tout est une. Voilà. Ok. Ça. La Moldavie. On pille encore. Yenizar. Encore. Voilà. Voyons, donc là on est plutôt pas mal. La conversion, Girid, c'est où Girid? Ça me dit quelque chose, ça. Ah oui, mais c'est... Non, c'est où Girid? Girid. Ah, Girid, c'est la Crète, oui, bon bah. Nouvelle province légitime, bon bah c'est une bonne nouvelle ça. Donc ça, la Dalmatie, on en fait ça, voire édit de conversion. On légitime tout. Nouvelle doctrine, coût des recherches diplomatiques, moins 10, oh c'est beau. Et là surtout, je vais avoir... Puissance des missionnaires plus 1, unité religieuse plus 20. Ah. Hop. Ensuite, religion. Zadar. Lit. Ibassan, Yedni, machin. Ibassan, c'est où Ibassan? Aucune idée. Bon, moi non plus, j'ai le nom exactement. Ibassan. Ah, c'est là, ok. C'est l'Albanie. Un conseiller, conseiller. Hop, j'ai des troupes à l'étranger, dans le Destan. Ah oui, à ce moment, Constance. L'Herzégovine. L'Herzégovine qui est alliée à la Hongrie et Silé. Oh, ça peut être beau, ça. Non, j'ai pas de rébellion à calmer, là. Non, y'a personne. Je sais pas. Non, on va attendre. Hop. Bon bah c'est plutôt pas mal, bien calme là. Manpower. Oh putain, le manpower. Je me rappelle tout à l'heure quand j'ai regardé que j'ai construit une armée de 18 ouais. hommes. Et j'étais à 60 000 avant de la construire. Mais là je regarde mon manpower, je suis en guerre depuis tout à l'heure, je suis à 80 000. D'accord. Bon. Ouais, je vais atteindre le point en fait où tu es tellement gros, tellement de trucs, je perds plus. Je défonce tout. Tout ce qui bouge. Ouais. Ouais, tu bouges, je te défonce. Mais je comprends pas. T'inquiète, je comprends pour toi. Ouais, bah je pense que je vais m'orienter vers le Mamelouk. Bah fume-le, reprends la Syrie. Sur le prochain, ouais, il est mort, en prochaine guerre, j'y retombe dessus, je lui bouffe l'Égypte. Mais okay. C'est triste que je vais lui mettre, machin. Alab. J'ai envoyé 3 armées, ça devrait suffire, je pense, 54 000 hommes pour le Mamelouk. Bah j'avais combien d'hommes, moi? J'avais un petit peu moins d'ailleurs, ça suffit. Sachant que tu l'as bien défoncé, tu l'as coupé en deux, je pense pas qu'il ait le. Je sais pas si on a le. Et au passage? Le droit de passage, bon, je m'en bats les couilles. Ah non, on l'a pas. Bon bah voilà. Ma flotte de guerre, elle est où?
Ma flotte de guerre. 34 navires. On va les envoyer Oh mais là-bas. après ce que je vais faire, c'est que je vais m'orienter pour récupérer l'Arabie. Hein. Bah oui. Ouais, je laisserai toute la Syrie si tu veux, t'es éclaté avec la Palestine aussi. T'as nié en merde. Attaque. Okay. Zadar converti à seule vraie foi. Split converti. Moi, je suis en train de finir le Qatar. Enfin, j'occupe des Banias aussi, des machins là. Mais c'est quoi sa chanson de Dalida, ça? C'est Non, de con. Dave. Ah Mais c'est qu'il y a l'émirat de Nage aussi qui est là, qui fait une petite tache moche. oui, merde, je suis con. Maintenant que j'ai. Quand j'ai déclaré la guerre à l'Octocar, je vais me taper les autres abrutis dans le dos. Ouais, le. Il faut que j'ai une petite armée pour m'en occuper. Akonlu. Ouais, que nous, mais en plus, avec nous, il va me faire des cadeaux. Les carados. Putain. L'appel aux armes, il m'appelle dans sa guerre. Ouf. Le russe qui m'appelle dans sa guerre. Comment dire? Contre Novgorod, Lituanie, je sais plus qui d'autre. On va faire mes muses. Bah non, je suis con, j'ai qu'à mettre une armée de 18 000 là-bas. Et là, diplomatie, déclarer la guerre. Reconquête. Pourquoi j'ai pas le truc? Ah bah Tunis ne vient pas. Bon bah. Bon, bah c'est Corée. Là, ce sera pour. C'est quoi le type de mer là au sud? C'est Dawasir. Quand on a deux pics qui sont tous les deux bleus, c'est chiant quand même. Bon, voilà. Le machin là est terminé. Et du circassier. Bon, voilà, c'est normal, l'autre toka, elle a disparu. Je vais me mettre là-bas. Ok, Y a ton Homs. vassal qui m'a un accès militaire, je le donne ou pas? Non, non, non. Ah putain, il est là-bas la flotte de l'autocar. Donc on va revenir discrètement en mode ninja. On va s'approcher de la mer Égée. Après, on va le défoncer là-bas. Tiens, t'as l'autre qui est passé là-bas. Ah, voilà, l'autre là, il a 19 000 hommes, le Mamelouk, je lui tombe à 36 000 hommes sur la gueule. Je pense qu'il va prendre cher. Ah tiens, j'ai perdu une galère. Mais j'ai défoncé la moitié de la flotte. Mamelouk. Un patoche. L'armée Mamelouk a pris cher, la flotte Mamelouk a pris cher, le Mamelouk a pris cher. Pas plusieurs façons de voir ça. En même temps, tu vas me dire. Mazar, il y a la guerre entre le Russe et moi, mais c'est sur moi qui a tapé ce con de lituanien. L'IA est Pas toujours comme normal. ça, l'IA est toujours comme ça. Faut Ah chercher à merde, où est-ce que comprendre. j'ai des rebelles? Séparatistes albanais, mais qu'est-ce qui m'emmerde les Albanais là, sérieux? Aucune idée. On va vite fait s'arrêter à Ibassan, c'est sur la route. Ah non, faut qu'on aille défoncer ça. Ah non, c'est en train de baisser. Ouais, voilà, c'est reparti. Là-bas. À Kunlou, j'ai un claim dessus, voilà la province. Ah oui, j'ai un permaclaim. En tout cas, je suis content de ma belle chopie que j'ai faite là. À Kunlou, il veut pas. Fin du siège de Damas, ça c'est une putain de bonne Je nouvelle. t'avoue que en solo, j'avais jamais joué les coptes. Je sais pas, j'ai trop le fun en fait.
Mais c'est tout le temps dit, ouais, je ferai ça plus tard, une autre fois, ouais. Et il y a eu le tuning de fin d'épisode. Donc oh voilà, là, on va pouvoir oh pulvériser. Pulvériser Mamelouk. Ah ouais, le Mamelouk là, il prend cher. C'est en mode roulage dessus. On va redonner à Syrie, on va lui redonner ses territoires. En plus, là, moins 25 de score de guerre, plus le diplomatique, moins 20% des coûts des provinces. C'est-à-dire que là, je lui dis, arrête trop, c'est les provinces légitimes, on sait ça. T'as qui ça? Bon, c'est Jazz, on s'en branle des Jazz. Là, je peux tout récupérer, ça me coûte 39 points pour récupérer tous les corps. Tous les corps syriens. Et après, là en dessous, est-ce qu'il y a un truc ici qui existe comme pays? Non, il n'y a pas de pays qui existe en dessous, en Palestine, tout le bordel. Oh! Man. Jauf. C'est quoi Jauf? C'est Al-Fadli ou Aniza? Ah, il a tout gobé cet enculé de Mamelouk. De quoi? Tu veux la péninsule arabique? Ouais, c'est ce que je voulais ou, faire. De toute façon, on s'en fout, je pense que. On fait le prochain épisode et je pense qu'on arrête la série. Ok. Donc voilà. Donc voilà les gens, dites-vous que c'est l'avant-dernier épisode, c'est l'avant-dernière fois que vous avez supporté ma gueule, enfin pas ma gueule, vous voyez pas ma gueule, vous aurez peut-être jamais vu ma gueule. Ma superbe voix, donc voilà. On se retrouve demain pour la suite, ben, la fin de la série et de la chaîne. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Au revoir tout le monde.